terre de légende de l'Atlantide. Les îles fortunées de l'Antiquité, les Canaries offrent la beauté grandiose de leur site. Situées à l'Atlantique Nord, à une centaine de kilomètres des côtes marocaines, ces îles ont en commun leur origine volcanique. Est le nom de la partie sud d'un ancien cratère dont il subsiste un grand segment d'environ 15 km de diamètre et dont la circonférence sur la crête peut avoir atteint 75 à 80 km. Il s'agirait donc du plus grand cratère de la Terre. De ce dernier, une grande partie du fond est restée conservée à l'est et au sud, à une altitude moyenne de 2000 mètres. C'est ce reste qui s'appelle Las Cañadas. Ce paysage impressionnant semble tout à fait lunaire. Des roches aux formes bizarres se dressent vers le ciel et toute végétation n'est absente, à l'exception de quelques buissons du type retama, au bord de la route et sur les pentes. Le tout est couronné par le dôme puissant du Pico del Teide, couvert de neige. Thank you.
Puerto de la Cruz, 45 000 habitants, était autrefois un port de pêche idyllique. Depuis une dizaine d'années, il est devenu un centre touristique de renommée mondiale. On est souvent surpris par la couleur sombre, presque noire, du sable basaltique des plages. Mais ce n'est pas là le moindre des charmes étranges de cette région. Les vagues, couronnées d'écume, découragent certains des bains de mer, qui se dédommagent dans les piscines des grands hôtels et aux magnifiques villes centenaires. Thank you.
Santa Cruz de Tenerife est la capitale. Ici, le Castillo de San Cristobal repoussa par trois fois des attaques de flottes anglaises commandées par des admiraux célèbres. En 1657, Blake, lors de la guerre de succession d'Espagne, Jenning, et enfin en 1797, Nelson, qui y perdit son bras droit. Thank you.
We'll be right back.